Demain. J'ai dit bonjour au facteur. Sur son cyclomoteur, il passe de bonne heure, parfois à distribuer le bonheur. Il est homme de lettres et, sans le paraître, que d'espoir caché dans une enveloppe timbrée. Quelques mots griffonnés, un numéro de téléphone, un dessin, un bonjour, un bonne année, un papa, un bien. Mais cette année encore, facteur, rien. Tu as bien fait ton labeur. Sans doute la lettre est-elle tombée, elle n'a pas pu m'oublier. Il est vrai qu'aujourd'hui, du courrier, les enfants font fi. Ils préfèrent aux mots bien écrits, les SMS, les mots vite dits. Un texto, un appel, quelques modèles, un rire, un moment magique, un rêve, un instant unique. Qu'importe le support même, si souvent on écrit papa avec deux P, deux A, toujours on le dit avec un M. Mon téléphone a bien souvent sonné. Le taquin de moi s'est moqué, il a pris 1000 voix, mais jamais ça ne fut toi. Le drôle a sans doute voulu garder en catimini cette magie. Je suis certes déçu, mais j'aurais fait comme lui. J'avais une maison sous les toits, pas plus grande qu'un nichoir. Seuls les oiseaux montaient le soir, me chantonnaient l'espoir. Pas facile à escalader, trop de marches, trop caché. Elle ne pouvait pas trouver ma maison perchée. Alors, j'ai déménagé pour une maison proprette. J'ai mis à ma porte sonnette. Je me suis bien habillé. Sûr, elle allait arriver. J'avais écrit 1000 poèmes pour dire combien je l'aime. Mais allais-je les mots trouver? Bien sûr, elle est venue. Ne me dites pas que je ne fais que rêver. Je l'ai bien entendu. Sans doute étais-je ensommeillé. Demain, comme chaque jour, je dirai bonjour au facteur. Je lui dirai sans détour de veiller à ma lettre au bonheur. Je fâcherai mon téléphone. Je lui dirai que s'il sonne, c'est pour moi, qu'il reste quoi? Que c'est toi. À partir de demain, à la porte, tu peux frapper, sonner. Je t'attends, ma fille, viens. Il me tarde tant de t'embrasser.